acclamons pour Jésus-Christ. Salut chaleureusement ton frère. Greet cheerfully your brother. Qui veut chanter tout seul? Who wants to sing alone? Come. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. One person. Une personne. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur pour l'éternité. Jésus est vainqueur, oh, il a vaincu pour nous. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, oh, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur pour l'éternité. Oh, Jésus est amour, il nous a aimés. Oh, Jésus est amour, Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour pour l'éternité. Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi pour l'éternité. Tous les desseins de l'Éternel, il les accomplira dans nos vies. Tous les desseins de l'Éternel, il les accomplira à travers l'Église. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. 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 Jésus est fidèle pour l'éternité. Jésus tout puissant. Oh!
puissant. Oh la 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 la. Jésus tout puissant. Jésus tout puissant. Jésus tout puissant. Il est sur le trône. Jésus tout puissant. Pour l'éternité. Acclamons pour Jésus-Christ. Écoutons deux témoignages. Let's listen to two testimonies. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. J'adore la Riviera 3. Je suis là pour dire merci à Dieu pour trois faits. Une guérison instantanée hier et puis il m'a donné deux visions ce matin. Pour me montrer deux visions qui prouvent qu'il m'a délivré des principautés de ma famille et il m'a délivré de la mort. Alors concernant la guérison hier à la prière était tellement intense. C'était avant-hier, non, c'est hier. J'ai prié intensement là. Et puis, bon, il était question que les gens rendent témoignage après, mais je me disais, j'avais très mal au genou au début. Donc, je n'ai même pas su que cette douleur était passée. Donc, j'ai eu du mal à me lever. J'ai pas voulu me lever parce que j'allais dandiner après. J'ai manqué de foi. Je me lève pour aller à la maison. Je marche gaillardement sans aucune douleur. Je voudrais dire merci à Dieu. Je voudrais vraiment lui rendre toute la gloire pour cette guérison instantanée. Amen. Amen. Maintenant, concernant la vision, hier, on a eu des instructions. Avant-hier, surtout, il fallait rechercher, identifier toutes les idoles de nos familles et puis prier. Et c'est ce que j'ai fait. Hier, j'ai essayé de demander à des parents de me... J'avais déjà quelques noms, mais je n'étais pas sûre que j'avais tout. Donc hier, j'ai demandé, avant-hier aussi, je me suis renseignée. Et alors, j'avais la liste et j'ai tout écrit dans ce cahier. Et j'ai commencé à prier. Ce matin, je me suis levée pour rendre juste grâce pour tout ce que le Seigneur avait fait pour chacun de nous, pour moi, pour ma famille jusque-là. Et puis, le Seigneur me montre une vision dans ma maison. Je voyais des morts de ma famille qui sortaient. Non, laissons-la, on n'a plus rien à faire ici. Allons-y, allons-y, allons-y. Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ. Et puis, ils ramassaient toutes leurs affaires, ils partaient. Et ils avaient un genre de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un présentoir, un support sur lequel... Il restait quand il venait. Ce support a été enlevé, brûlé. Et quant à eux, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier, à les renvoyer dans le séjour des morts. Ils aillent dans le séjour des morts. Il y a eu comme une machine qui les a broyés tous au nom de Jésus. Amen. Ça a été ma première délivrance. Acclamons pour Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu que le Seigneur venait de me délivrer de les esprits de mort. Et juste après ça, c'était comme si j'étais comme sur un champ de combat. Et on m'a donné, il y a quelqu'un qui m'a remis un couteau de combat. Il est fou, il est long et grand. Et tous les petits démons qui venaient, je les taillardais. Pour moi, c'était terminé. Après ces petits démons, il y a leur maître. Parce que dans ma famille, on a adoré la panthère. C'est seulement hier que je l'ai appris. Et j'ai prié pour ça. Donc j'ai vu un gros panthère qui a ouvert sa gueule avec des crocs. J'ai dit, Seigneur. Et à côté, quelqu'un m'a remis tout de suite, prends ça. Il dit, prends ça. Une hache tranchante. Il dit, coupe sa tête. Et j'ai coupé la tête de ce panthère. Acclamons pour Jésus-Christ. Dès que j'ai coupé la tête de cette panthère, un autre animal s'est présenté.
et je connaissais l'existence de cet animal dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, parce que les gens adoraient cet animal, un python. Oui, ce python m'a fatigué toute ma vie. Et je voyais ce python, mais grand, long, large, avec une tête large, qui s'est présenté. Et la personne à côté, je ne sais qui, même m'a encore remis, m'a cette fois-ci remis un couteau, un grand couteau. Mais avant, il m'a dit, tiens des pierres et jette dans sa bouche, parce qu'il avait ouvert la gueule. Jette les pierres dans sa bouche, ce que je fis. Immédiatement, j'ai jeté au fur et à mesure les pierres dans sa bouche. Et les pierres l'ont alourdi, cet affaissé. Il dit, bon, prends maintenant le couteau et coupe. Et j'ai pris le couteau, j'ai coupé sa tête. J'ai coupé sa tête. Jésus-Christ. J'ai coupé sa tête. Acclamons pour Jésus-Christ. J'ai coupé, après sa tête, j'ai coupé en plusieurs morceaux. Et cet épisode passe, le Seigneur me dit, regarde encore. Après, c'est un gros poisson. C'est quoi, on dit un silure, non? Silure, oui. Une silure. Gros, large, avec une tête. Les deux travaillent ensemble, on me dit, dans la vision. Donc, c'est présenté dans ma famille. Et dans la famille de ma mère en particulier, ils adorent ce poisson, ils ne le mangent même pas. Il ne le mange pas, il adore. Donc j'ai pris. On m'a dit, prends le couteau. Et j'ai pris le couteau. Et j'ai coupé sa tête. J'ai coupé sa tête, j'ai coupé sa tête. Et ces deux animaux sont passés. Frère, la force qui me venait, j'ai jamais eu cette force dans la vision. Mais Alléluia. J'étais forte comme un combattant. Et je ne sais pas quelle est cette force qui m'animait. Et du coup, c'est comme si... C'était la paix dans le village. C'était la paix dans ma région. Et les gens disaient, ils étaient derrière moi. J'étais comme une guerrière qui revenait de combat avec une victoire. Je ne sais pas, une victoire incommensurable. Les gens étaient heureux et disaient, en Dida, oh, on vient de nous sortir. Quand je le traduis, on ne le sent pas bien. Wassaim Mieliné. C'est-à-dire, on vient de nous délivrer de la souffrance. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Amen. On vient de nous délivrer de la souffrance. Non, redis ça en Dida. Hein? Wassaim Mieliné. Dans le village, dans ma famille en particulier, où les gens ne s'entendent pas, ils ne mangent pas ensemble, ils ne se parlent pas. La jalousie, la division, c'était devenu l'amour. L'amour, les gens partageaient tout ensemble. Et puis, il y avait l'abondance au plan agricole, les productions alimentaires et tout. Et les gens disaient, vraiment, on nous a sortis de la souffrance parce que tout ça nous fatiguait. Il fallait faire des sacrifices. On était obligé de tuer nos enfants. On était obligé de donner tous les biens de nos enfants pour adorer ces esprits. Et la misère était dans nos familles. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Je pensais que c'était tout. Je pensais, on s'est réjouis. Et dans la famille, il y a eu des mariages. Les gens pouvaient enfanter, vraiment toutes sortes de bénédictions. Et puis du coup, à ma grande surprise, il y a un autre animal féroce qui arrive, un dragon. Et effectivement, ils adorent aussi le dragon. Un dragon qui arrive, il arrive suivi, lui il est énorme, suivi de plusieurs petits autres dragons. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu à combattre. Je n'ai pas eu à combattre, c'est une colonne de feu qui s'est présentée et ils sont rentrés dans la colonne de feu. Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur, le dragon entièrement consumé, je voyais. Et il y avait des explosifs, ça explosait parce que lui et tous ses petits ont été brûlés. Mais le Seigneur a préservé toutes les bénédictions qu'il avait avalées. Dans les décombres, les gens venaient ramasser. Les gens venaient ramasser leur bâton. Acclamons pour Jésus-Christ. Les gens venaient prendre des bacs de mariage. Les gens venaient de prendre des contrats de travail, des diplômes.
toutes sortes de choses. Et il y a quelque chose qui m'a... Ce matin, j'ai beaucoup pleuré. On me dit, regarde là, c'est ton doctorat qui est là. J'ai pleuré. J'ai dit oui, j'ai pleuré ce matin, effectivement. Effectivement, à l'université, j'avais une bourse de troisième cycle pour faire un doctorat. Et j'ai commencé. J'ai commencé. Quand je suis allée prendre ma bourse, on me dit, ta bourse a été supprimée. Je n'ai jamais su qui avait supprimé ma bourse. Ce matin, le Dieu de gloire, le Dieu de la CNCI, m'a dit qu'il avait supprimé ma bourse. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, mais j'ai pleuré amèrement. J'ai dit, à 60 ans, plus de 60 ans, je ne peux plus faire une thèse. Je te rends grâce. Et la voix me dit, réjouis-toi, parce que j'ai préservé ta vie pour que tu me serves. C'est ça le Jésus. Je voudrais solennellement dire merci à ce Dieu. Je voudrais lui dire merci, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui nous délivre des esprits de mort, ce Dieu qui nous délivre des principautés, ce Dieu qui, je ne sais, qui est amour. Il est amour pour moi. Je voudrais vraiment lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Assemian Viviane. Il y a pour faiseur de disciples le pasteur Thiade Stéphane. Le témoignage que je vais rendre concerne mon époux. Il faut dire que l'année dernière, pendant qu'il se préparait à faire son brisement de liens, et on cherchait à prendre des renseignements au niveau de la famille pour savoir quelles sont les idoles que la famille adorait. C'est comme ça qu'il est allé vers sa mère pour demander quelles sont les idoles qu'ils adoraient. Et c'est comme ça que sa mère lui a vraiment expliqué une histoire qui nous a tous choqués. Elle lui a dit comme ça que parce qu'il est le seul garçon parmi quatre sœurs. Et elle lui a dit comme ça que je tombe enceinte de toi, ton papa m'a dit que si tu me fais encore une fille, tu prends tes bagages, tu quittes ma maison. Donc la maman était effrayée, elle allait au village voir son papa, pour lui dire, ah c'est ce que mon mari me dit, donc vraiment trouve une solution. Et le papa prend sa fille, ils ont une rivière qu'ils adorent. C'est là qu'ils ont fait des cérémonies pour qu'il puisse avoir, lui il puisse naître. Donc il est venu mal et après ils sont plus allés adorer l'esprit. Et pendant leur, après ils ont fait son brisement. Et quand nous avons commencé cette croisade, je commençais à prier pour lui. Vraiment, il y a beaucoup de blocages autour de nous. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donc, j'ai commencé à prier. Et quand nous sommes venus sur le pasteur, a dit de prier que Dieu nous révèle les principautés de nos familles et les renverser. C'est comme ça que je suis arrivée à la maison. Je me suis réveillée à 4 heures. J'ai prié beaucoup pour lui. Je suis allée me coucher. Et Dieu me montre une vision où je me retrouve devant ce marigot. Et je vois mon mari qui était arrêté, qui était vraiment enrôlé par un gros serpent. Il était tellement épuisé, fatigué, il ne pouvait même pas bouger. Et je suis arrivée, j'ai attrapé la tête de ce serpent. J'ai commencé à l'écraser la tête de ce serpent. Acclamons pour Jésus-Christ. Et le serpent voulait que mon mari bouge comme ça, lui pourra descendre pour me combattre. Mon mari était tellement fatigué, il ne bougeait pas. Et j'ai écrasé, j'ai pris une pierre, j'ai cassé sa tête, j'ai écrasé sa tête. Et après ça, il est tombé. Et j'ai essayé d'aider mon mari pour qu'on puisse partir. Pendant qu'on partait, le serpent dit, revenez, vous avez tous vos biens dans mon ventre, venez chercher vos biens. C'est comme ça qu'on est revenu. Il a commencé à vomir un nouveau cœur, un nouveau ventre, une nouvelle langue. Toutes ces choses ont commencé à sortir de lui. Et tout quand ça sort, ça vient, dès que la langue sort, ça vient sur mon mari, dès que le cœur sort. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le ventre du serpent était trop gros. Je tourne, je vois une machette. Je prends la machette, je fends le ventre du serpent. Et il y a les entreprises qui sortaient de la société, des billets d'avion. Plein de choses sortaient du ventre du serpent. Et je veux bénir le Seigneur pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sait que Jésus doit régner sur sa famille? Who knows that Jesus? Jesus might rule over his family. Hallelujah. Amen. Jésus a donné un sujet de prière. Jesus has given a subject of que prayer. Que ton règne vienne. May your rule come.
Prie que le règne de Jésus vienne dans ta famille, dans ton village. Pray that the rule of Jesus come on your family, in your village. Insiste que le règne de Jésus vienne dans ta famille. Amen. Lis pour nous. Read for us. Le psaume 2. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son ouin? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ceux qui siègent dans les cieux rient. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit : Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Pourquoi ces vaines pensées dans ta famille? Why those vain thoughts in your family? Pourquoi ce tumulte dans ta famille? Why was noise in your family? Pourquoi les chefs de famille, les chefs de village, les païens se soulèvent-ils contre Jésus-Christ? Why the rulers of the families, the chiefs of villages are against Jesus Christ? Pourquoi les dignités s'élèvent-elles contre celui qui est vraiment Seigneur en réalité? Why the dignities rise against the one who is truly the royalty? Ah, c'est un petit dossier que Dieu nous donne. This is a small file that the Lord is giving us. Il ne dit pas invoquez-moi. Il ne dit pas invoquez-moi. He is not telling you call me. Nous-mêmes nous pouvons régler ça. We can treat it ourselves. Brisons leurs liens. Let break. Délivrons-nous de leurs chaînes. Let deliver ourselves from pour the chains. Pour sauver ta famille. To save your family. Ta famille. To save your family. Il ne faut craindre aucun être humain sur la terre. You must not fear any human being on earth. Tu dois aimer tous les hommes. You must love everybody. Mais la crainte. But fear. Est à l'Éternel lui seul. Is to God alone. Il est dit, it is said, aimez les frères, love brothers, honorez tous les hommes, honor all men, craignez Dieu. Fear God. Il dit, pourquoi les hommes s'opposent-ils? He said, why are men opposing? À celui à qui Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. The one to whom the Lord has said, you are my son, and I have birthed, you are born today. Ça peut se faire ailleurs. It can be done somewhere else. Mais pas là où le Seigneur a un sacrificateur.
Ça peut se faire ailleurs. It can happen somewhere else. Mais pas dans une famille où le Seigneur Jésus a un sacrificateur, un But représentant, un ambassadeur. Where the Lord has a priest, a son or a representative. Alléluia. Amen. Brisons leurs liens. That break their links. Délivrons-nous de leurs chaînes. Let deliver ourselves from the chains. Sortons de leur emprise. Let them get out from their rule. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Because we belong to Jesus. Nous ne pouvons pas supporter une rébellion, une opposition humaine contre lui. We cannot bear a rebellion or human opposition against us. Frère, Proverbs, il y a les démons. There are demons. Il y a les êtres humains. There are human beings. Il y a des êtres humains qui s'opposent au règne de Christ. There are human beings who oppose the reign of the ruler of Jesus. Des hommes de la même nature que toi et moi. People of the same nature as Mais you and I. Qui ont donné leur âme à Satan. Who has given the soul to Satan? Ils ont consacré leurs esprits. Ils ont dit au diable, utilise-nous. They have consecrated their mind, their spirit, and they have told the devil, use us. Donne-nous l'argent. Give us money. Et utilise nos âmes. And use our souls. Mais ils ont devant eux ceux qui ont dit à Jésus, remplis-nous du Saint-Esprit. But they have in the front of them those who have taught Jesus, fill us with your Holy Spirit. Ceux qui connaissent les desseins de Dieu. Those who know the purposes of God. Lis pour nous Isaïe chapitre 2. Read for us Isaiah chapter 2. Commence au verset 12. Start from verse 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux ou hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé, et contre tous les chênes de Bazan. Contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Dites Amen. Amen. Continue. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Amen. Amen. Toutes les idoles disparaîtront. Amen. On entrera dans les cavernes des rochers. Amen. Et dans les profondeurs de la poussière. Amen. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Amen. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Amen. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Amen. Qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Amen. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Amen. Cessez de vous confier en l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Read 1st book of Peter, chapter 17, sorry. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Amen. Si tu veux gagner cette bataille, if you want to win this warfare, sanctifie l'Éternel. Sanctify the Eternal. Place-le sur le trône de ton cœur. Set him on the throne of your heart.
Ne crains aucun être humain sur la terre. Fear no one on earth. La crainte est à l'Éternel. The fear is to God. Sinon, des incirconcis peuvent te dire tais-toi. Otherwise, uncircumcised will tell you keep quiet. N'adore plus ton Dieu. Do not worship your God anymore. Et tu peux obéir. And you may obey. Si tu ne connais pas cette parole. If you don't know this word. Jésus doit entrer dans nos familles. Jesus may enter our families. Avec des louanges. Ce n'est pas qu'il entre et puis il est persécuté ou méprisé. With praises, it's not like he is entering when he is despised or broken. Il faut que broken. Quand il va entrer, qu'il y ait des pains qu'on étale sur le sol, qu'il y ait des palmes. It takes that when he enters, qu'il y ait des champs. There are cloths qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. And it must be said there are very good the feet of people who are coming with good news. Un accueil chaleureux à l'évangile. A cheerful welcoming. Des cœurs ouverts. Open hearts. Des conversions radicales. Radical conversions. Où les idoles sont jetées aux souris. Where idols are thrown to moths. Des vraies conversions. True conversion. Les gens prennent les idoles qu'ils avaient fabriquées pour adorer. Ils avaient investi l'or et l'argent. Ils ramassent, ils jettent aux souris. C'est écrit dans la parole. People will take the idols that were worshipped. They take them and throw them to rats. Même it's written in the word. La presse doit écrire que les idoles ont été jetées aux souris dans tel village. The press must write that people are throwing the idols. Tenons-nous debout. Let's stand up. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Jésus est roi. Jesus is king. Il est digne. And is worthy. D'être adoré. To be worshipped. Il est le seul. He is the only one. Digne. Worthy. D'être adoré. Of being worshipped. Continue à le proclamer. Keep on proclaiming. Jésus le seul digne d'être adoré. Jésus le seul digne d'être adoré. Jésus le seul digne d'être adoré. Nous proclamons d'un commun accord. Nous proclamons d'un commun accord. We proclaim in a common will que Jésus-Christ that Jesus Christ est digne is worthy de régner sur nous, to rule upon us, et de régner sur nos parents, to rule upon our parents, et de régner sur nos villages, to rule upon our villages, car la terre appartient au Seigneur. Because earth belongs il to la the donne Lord. À qui cela lui plaît. To who he wants. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jésus entre. Là, tu vas dire le nom de ton village. Tu dis qu'il entre triomphalement. Triomphalement, triomphalement. Jésus-Christ entre en dedans un triomphalement. Il entre en dedans deux triomphalement. Il entre en Côte d'Ivoire triomphalement. Il entre dans chacun de nos villages triomphalement, triomphalement, triomphalement. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons les liens. I break the ties. Qui ont tenu nos parents captifs jusqu'à ce jour. Who have kept my parents captive till nous, today. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons les chaînes. I nous libérons les captifs. And set free the captives. Nous proclamons we proclaim que la crainte that fear est à l'Éternel. Is to God. À l'Éternel seul. Is God alone. Les captifs captives. Obéissez à l'Éternel. Obey God. Craignez l'Éternel. Fear eternal. Nous vous délivrons de la we captivité. Delivers you. Nous vous délivrons de la captivité. Activity. Continue à prier. Keep on praying.
Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous libérons nos familles, we set free our de l'idolâtrie, du fétichisme. Que les féticheurs aillent cultiver la terre. Nous mettons fin à leurs fonctions. Nous attirons tous les hommes à Jésus. Que les idoles soient abandonnées. Jetées dans les fleuves. Jetées dans les latrines. Jetées aux chauves-souris. Et aux rats. Continuez à intercéder. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons que la richesse païenne n'est que vanité. Vanité de vanité. Tous ceux qui sont riches sans Jésus, vanité de vanité. All those who are rich without Jesus, vanité de vanité, vanité de vanité, vanité de vanité. Dis au nom de Jésus, nous délivrons les captifs de la prospérité sans Dieu. From prosperity without God. De la prospérité sans Dieu. From prosperity without God. Et au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous délivrons les captifs. We deliver the captives. Du divertissement, from de la musique obscène et idolâtre. Au nom de Jésus, nous proclamons la vanité, we proclaim the vanity de tous ceux qui donnent la joie aux païens. Who love pagan joy. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous déclarons que les coutumes ne sont que vanité, vanité, vanité. Toutes les coutumes, toutes les coutumes, toutes les coutumes, toutes les traditions, nous délivrons les captifs et nous imposons la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Le culte au vrai Dieu. Continue à prier. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, nous prophétisons contre toute résistance. Say, we prophesy against any kind of resistance. Le sort du mur de Jéricho. Tout ce qui s'oppose à la pénétration de l'évangile. All that oppose the entrance of the gospel. Tout ce qui se sont constitués une muraille contre l'évangile. All that is set as a wall against the gospel. Ils vont s'écrouler comme le mur de Jéricho. We crush you at the wall of Jericho. Ils vont s'écrouler comme les murs de Jéricho. They will crash down at the wall of Jericho. Et toutes les langues confesseront que Jésus est Seigneur. And Jésus all the tongues will Seigneur, confess Jésus that Seigneur, Jesus Jésus is Lord. Continue à proclamer. Lève ta main droite. Raise your right hand. Et nous avons souvent entendu. Sir, we used to hear qu'on a exposé ou qu'on a dévoilé un sorcier. That witches have been exposed or unveiled. Dit maintenant. Right now.
now. Nous verrons des villages convertis à Jésus. Tous les sorciers convertis dans un village. All the witches converted in a village. Et nous prophétisons. We prophesy. Une révélation authentique de Jésus-Christ. An authentic revelation of Jesus Christ. Une révélation authentique de Jésus-Christ. An authentic revelation of Jesus Christ. Continuez à prier. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons la conversion de tous les marabouts, des sorciers, des magiciens, des choses inédites, des conversions inhabituelles dans la nation et dans chaque nation représentée ici. Dans chaque famille représentée ici, même dans les familles de ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais qui sont dans le même combat que nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, que cette parole arrive dans toutes les nations où se trouvent les membres de nos familles. Maintenant, prie en langue. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Seigneur. Say Lord. Rends la Bible disponible. Make the Bible available. Continue à prier. Dis Seigneur, Sir Lord, rabaisse les orgueilleux, humilie, élève les humbles, and rise the humble, bénis les sages, bless the wise ones. Continue à prier. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Si tu n'es pas encore en Jésus, if you are not yet in Jesus, tu écoutes les prières que nous sommes en train de faire. You are listening to the prayers that we are doing. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Vous avez écouté les témoignages. You have listened to the testimonies. La pauvreté. Poverty. Est spirituelle. Is spiritual. Plein de serpents qui ont les richesses dans le ventre, les poissons ont des richesses dans le ventre. There are snakes and fishes who have riches in their belly. La pauvreté poverty est spirituelle. Is spiritual. L'échec à l'école. Failure at school. Est spirituel. Is spiritual.
Et les démons aiment les bonnes choses. Demons love good things. Les diplômes. Diplomas. Tu peux être un sorcier qui ne sait même pas lire, il prend un doctorat, il met dans son ventre. A witch who does not know how to read, take a doctorate and he put it in his stomach. Le python qui doit ramper tous les jours sur son ventre. Who must prend les diplômes, il met dans son ventre. Walk on his belly, take diplomas and put it in his belly. Et les gens échouent à tous les examens. Tout, and people tout. Fail at all the exams. Si tu veux ton salut, if you want your salvation, ta délivrance, your deliverance, lève ta main. Raise your hand. Que tout cela vienne ici. Please all come here. Tous ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. All those who have not yet given qui veulent their life salut, Jesus, leur salut, they want the salvation. Qu'ils viennent ici. Let them come here. On les conduit à Christ avant de prier ensemble pour la bénédiction de chacun. We lead them to Christ before praying together for the blessing of each of us. Venez, ne craignez rien. Come. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève-toi et viens ici. If you have not yet given your life to Jesus, stand up and come here. Comment savoir si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus? How to know if you have not yet given your life to Jesus? Si tu pratiques le péché. If you practice sin. C'est-à-dire il y a un péché que tu es dedans. Même si tu es déjà baptisé, tu es dans le péché. Sin, you are inside, even if you have already been baptized. Lève-toi et viens. Stand up and come. Vous savez, les familles sauvées, you know, saved families, les familles sauvées sont les seules saved families are the only ones qui pourront se retrouver au ciel. Who will be able to be si tu as un frère, pour le revoir après la résurrection, il faut que vous soyez en Christ. It means that if you have a brother, if you want to see him again at the resurrection, it takes that you both are in Christ. Si tu crois, tes parents ne croient pas. If you believe and your parents don't, vous ne vous verrez plus après la mort. You won't see each other in heaven. Mais si vous tous vous êtes sauvés, but if you are all saved, vous aurez l'occasion de vous embrasser devant Jésus-Christ. You will have the opportunity to embrace each other before Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. La Bible dit. The Bible say. Toi. You. Tu dis que tu crois. You say that you believe. C'est bien. It's good. Même les démons croient. Even demons believe. Quand tu crois. When you believe, en vivant dans le péché, and living in sin, tu as la foi des démons. You have a faith of demons. Les démons croient, mais ils n'obéissent pas. Demons believe, but they don't obey. Aucun démon ne te dira qu'il ne connaît pas Jésus. None demon will tell you that he doesn't know Jesus. Mais les démons, but demons, sont des menteurs. They are liars. Des esprits de rébellion. Spirit of rebellion. Si tu es assis, if you are sitting, sur ton péché, on your sin, tu as la foi des démons. You have a faith of demons. Le fait que tu sois venu ici ne change rien. The fact that you have come here changes nothing. Tu deviens comme les démons qui viennent attaquer. It's like you become like demons qui sont venus attaquer. You become like demon who has come to attack. Mais si tu veux sortir du monde, donne ta vie à Jésus. But if you want to get out of the world, give your life to Jesus. Y a-t-il encore quelqu'un? Is there someone else?
Que les frères qui délivrent reçoivent ce frère qui marche péniblement. Oui, acclamez pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Qui d'autre? Who else? Une femme m'a dit, a lady told me, je ne viendrai pas chez vous. I won't come in your church. Parce que si je viens chez vous, because if I come, je risque de dire la vérité à mon mari. I risk to tell truth to my husband. Elle me dit, là où tu me vois, j'ai des maisons et des terrains, mon mari n'est pas au courant. She said, right now you are seeing me, I have houses and plots, but my husband is not aware of that. Mais elle priait quelque part. And she was praying somewhere. Vous voyez la différence? You see the difference? Elle prie quelque part. She prays somewhere. Elle a des maisons et des she terrains. She has houses and son mari n'est pas au courant. Her husband is not aware. Elle n'a même pas de problème. And she has even not même any sa conscience problem. N'est pas troublée. Even her conscience is not troubled. Et moi, je suis en train de lui parler de Jésus. And me, I am speaking about Jesus to je her. Je ne savais même pas qu'elle avait des biens. I didn't know that she even has goods. Pendant que je lui parlais, while I was speaking to elle her, elle calculait déjà. She were already calculating ce que ça va lui coûter. What it will cost her. Le vrai Jésus. The true Jesus. Quand tu t'approches de lui, when you get close to him, même dans les habits blancs, tu vois les taches. Even in white clothes, you can see dust. Jésus de Nazareth. Jesus is marvelous. Il est écrit qu'il a été tenté, mais il n'a commis aucun péché. The Bible says that he has been tempted, but he committed no sin. Viens à lui. Come to him. Tu dois déposer ton titre. You must jot down your title. Pour recevoir le vrai Jésus. To receive a true Jesus. Où es-tu? Where are you? Ça va te coûter cher. It will cost you very. C'est que ça sera comme si tu reprenais ta vie à partir de zéro. It will be like you are starting your life by this beginning. Où es-tu? Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je t'arrache d'entre les mains de l'ennemi. I take you out from the hands of the enemy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je t'arrache d'entre les mains du diable. I take you out from the hands of the enemy. Je brise les chaînes. I break the chains. Je te libère. And I liberate. Comme un captif. As a captive. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Levez les mains. Oui, donne-toi à Jésus. Tu ne vas pas regretter. Give yourself to Jesus. You won't regret. Donnez vos vies à Jésus. Dites à Jésus de pardonner. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Say, Lord Jesus, forgive me. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Say, Lord Jesus, I give you my life. Dis Seigneur, pardonne tous les péchés que j'ai commis en parole, en pensée, en action. Lord, forgive all my sins I have committed in my word and my actions. Tenons-nous debout et prions pour eux avant de prier pour la délivrance. Please let's stand up so that we pray for them. Prions que la volonté de Dieu pour chacun soit accomplie. That the will of God for all of them should be completed. Prions que ceux qui sont malades soient guéris. Let pray that those who are sick should be healed.
Amen. Amen. Maintenant, nous allons demander la grâce de Dieu. Right now, we are going to ask the grace of God. Il y a des frères qui ont pris les nouvelles âmes. There are brothers who have taken new converted. Mais les âmes attendent encore le premier coup de fil. And these people are still waiting for the first phone call. Ils ont promis, ils n'ont pas encore appelé. They have promised and they have not called yet. Ce n'est pas bon. It's not good. Alléluia. Amen. Donc, ceci vient s'ajouter. So these ones are coming again. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Nous allons prier en langue. We are going to pray into tongues. C'est une prière collective. It's a collective prayer. C'est-à-dire que si Dieu exauce un seul. It means if God replies to only one. C'est imputé à tous. It is given to everyone. Tu vas dans ton esprit. In your pense spirit. Aux 10 requêtes. Think about the 10 requests. Certains ont déjà vu l'exaucement. Some have already seen the answers. Dieu a déjà donné. God has already given. Il y a les jours pour l'accomplissement, la manifestation. There are days for the experience. Une jeune sœur à qui Dieu a donné un mari. A young sister to whom God has given a husband. Attend maintenant que ce vaillant vienne directement. Is now waiting dans la lumière. Is not waiting for the mighty one to come and give his file in the light. Mais Dieu a déjà donné. But God has already given. Frères, brothers. Vous écoutez les témoignages. You listen to testimonies. Ne soyez pas étonnés que les visions sont nombreuses. Dieu a dit qu'il va donner les visions aux jeunes gens. Ça, ça doit même être beaucoup. God said that he will give vision to young men. Et il va donner des songes aux vieillards. And he will give dreams to the old ones. Il va remplir les jeunes gens du Saint-Esprit. He will fill up, he will fill in the young people with the Holy Spirit. Tout ce qui a été récupéré, soit du ventre des esprits impurs, des êtres humains, tout cela est déjà à notre disposition. All that has been collected from the belly of an impure spirit is at our disposal. La sœur Delphine aura son doctorat en prière. Sister Delphine will have a doctorship in prayer. Le diable a volé un petit doctorat. Jésus va lui donner un doctorat en prière. The Lord will give a doctorship in prayer. Donc Dieu a son intelligence, sa sagesse. So God has his intelligence pour remplacer tout ce qui a été volé. To replace all that has been stolen. Ne dis pas que je suis déjà vieux. Don't say I'm already old. Crée des choses, invente, agis. Create things, invent and act. Tout ce qu'on a vu en vision là est déjà là. All that we have seen in our vision is already there. Prions en langue. Let's pray in tongues. Thank you.
accepté d'arrêter, même si ça ne peut pas suffire. Dis, oh Père, oh Father, bénis-nous. Bless us. Bénis-nous. Bless us. Car tu es bon. Because you are good. Tu es riche. You are rich. Tu es puissant. You are powerful. Celui que tu bénis est béni. The one you bless is blessed. Celui que tu élèves est élevé. The one you raise is raised. Celui que tu rabaisses est rabaissé. The one you humiliate is humiliated. C'est toi qui donnes la vie. You are the one who gives life. C'est toi le vrai Dieu. You are a good God. C'est toi le vrai Dieu. You are a good God. Dans les cieux. In heaven, sur la terre, on earth, sur la terre, under the earth, nous le confessons. We confess nous that. Avons ce témoignage en nous. We have that testimony in et nous, us. Nous avons cette connaissance. We have that knowledge. Et nous avons ce témoignage. And we have this, this testimony. Continue à prier en langue. Oh Père, nous avons cette connaissance. Nous avons cette connaissance. Kundarabakashete rekaroto rukuseke. So coro cosecere che secere che secere coro cosecere che beche seche coro cosecere che beche condoro cosecara basha condoro cosecara cabacasha condoro cosecara bacasara condoro cosecara bacasara arabacasere bacasaba caseca baca o bacalagazeca bacanoca 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 o bacanoca bacanoca baca o père exauce exauce celui que tu bénis est béni. Celui que tu pardonnes est pardonné. Celui que tu élèves est élevé. Celui que tu sanctifies est sanctifié. Tu es le vrai Dieu. Tu es souverain. Dis Seigneur. C'est Lord. Merci pour toutes les richesses récupérées. Thank you for all the riches that I have collected. Merci pour toutes les visions. Thank you for all the visions. Merci pour toutes les prophéties. Thank you for all prophecies. Seigneur. Lord. Accomplis ce que tu as décidé. Complete what you have decided. Amen à l'existence. Amen. Make it ce to qui life. Doit venir à l'existence. Seigneur, fais-le maintenant. Lord, do it now. Fais-le maintenant. Do it now. Assieds-toi, tu gardes le calme. Sit down and you keep quiet. Vous suivez les pasteurs. You follow the pastor. Suivez les pasteurs. Alléluia. Frères. Brothers. Je sens dans mon esprit. I feel in my mind. Que il y a des armées qui sont avec nous. That there are armies with us. Des légions. Some legions. Approfondis ta consécration. Deepen your consecration. Fais tout. Make all. Pour avoir une conscience pure. To have a pure conscience. La bataille prend une autre tournure. The battle is taking another way. Des cours d'eau sont en train d'être vidés des démons qui les occupaient. Lakes are being emptied from demons. Des forêts. Forests. Sont en train d'être libérées. Are being liberated. C'est tous ces milieux hantés. All those bewitched places sont en train d'être libérés. Are being liberated. Et ce que nous faisons and what we are doing est en train de toucher toute la nation. Is touching all the nation. Il y a des problèmes que ce pays ne connaîtra plus parce que les principautés sont renversées. There are problems that this country will no more experience because principalities are fallen. Si tu es dans un projet, if you are in a project,
renonce d'abord. Renounce first. D'une manière radicale. In a radical way. Et dis à Jésus. And tell Jesus. Que veux-tu que je fasse? What do you want me to do? Si c'est un projet qui marche, il n'y a pas de problème. If it is a project which is succeeding, no problem. S'il y a des blocages. If there are blockages. À ce niveau de combat. At this step of the tu t'arrêtes. Battle, you stop. Ça peut être le Saint-Esprit qui barre la route. It can be the Holy Spirit who is blocking your way. Soyons mûrs. Let be mature. Soyons des hommes. Let be men. Si tu es fiancé, if you are engaged, et qu'après avoir renversé les principautés toute la nuit, le matin, les fiançailles sont rompues, rends grâce à Dieu. If you are engaged and after having overthrowing the principalities all the night and in the morning your engagement is broken, give thanks to God. Ça peut être un mariage que Satan avait planifié. It can be a marriage that Satan himself planned. Quand on est libéré, tout est libéré en même temps. When you are liberated, everything is liberated at the same time. Nous sommes arrivés au niveau où il ne faut point douter. We have reached the level you should not doubt. Parce que tout est par la foi. Tout ce qu'on a entendu, ce qu'on voit, we see, pour que ça s'accomplisse, for it to come to life, il faut notre foi. It needs our faith. Et puis, and les révélations sont concordantes. Revelations are all connected. Prenons ça au sérieux. Take it seriously. Et puis, les résultats de l'an passé doivent t'encourager même. And the result of last year should encourage you. Il y a des choses qui n'étaient que des visions l'an passé. There are people who had vision last year. Aujourd'hui, today, on compte les diplômes, on compte we are les counting mariages, the diplomas, les bénédictions, the weddings, the blessings. On compte les enfants, the children. Un jour, je voulais embrasser une sœur là, je vois que son ventre me repousse. One day I wanted to embrace a sister. J'ai dit, mais il fallait me rendre témoignage, ma fille. I saw a stomach just pushing me. I asked her, you should have given me your testimony. Elle avait déjà été exaucée depuis. She had already been answered since long. Ne doutons point. Let us not doubt. Dis amen. Amen. En partant, while going home, continue à intercéder. Keep on praying. Alléluia. Amen. Père, que ta main soit sur chaque frère. Father, may your hands be on each brother. Ramène-nous ici demain pour faire sauter le toit. Take us back tomorrow to take the floor out. Révèle-nous la puissance de la louange à ce niveau du combat. Reveals us the power of the praises at this level of the battle. Au nom précieux de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.